Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour la Ligue des Champions pour le mardi 13 avril. Avant toute chose, vous savez très bien, on va regarder les résultats. Donc je prends la bankroll parce que je vais me tromper. Donc le samedi 10, je vous avais proposé Francfort-Wolfsburg. Je voyais le match nul remboursé, 6 victoires de Francfort. Bon bah là c'est un pari remboursé, c'était un match vraiment spectaculaire. D'ailleurs je vous ai un peu tout dit sur ce match-là. Beaucoup ont été surpris que je ne prenne pas le over et les deux équipes marquent. Je crois que les deux équipes marques n'étaient pas value, mais le over était value. Donc je ne l'ai pas validé, et pourtant je vous ai quand même conseillé en commentaire, et que je vous ai validé effectivement que je vous avais dit, hein, ça serait la fiche la plus attractive. Hein. Je ne me suis pas trompé. Le match suivant était par Milan AC. Donc là je vous avais proposé sec la victoire du Milan AC, donc c'est gagnant, ils ont gagné 3-1. Bon, on a eu chaud quand même parce que Zlatan s'est un peu énervé. Ils ont fini à 10 contre 11. Bon, c'est resté dans le sens du match, mais on a eu chaud quand même. Bon, l'essentiel est là. Pour le dimanche, je vous ai proposé Bankley Newcastle, où là, je voyais le match nul et remboursé 6 under. Je voyais très peu de buts. Je pensais vraiment à un quelque chose comme ça. Bon, bah là, je me suis trompé. Il y a un but de trop. Et puis, Newcastle, malgré que Bankley avait très bien entrepris la première partie, la première mi-temps, le match s'est retourné en seconde avec Newcastle. Donc, 2-1 pour Newcastle. Donc c'est un pari perdant. Pour ce qui est de Sampdoria-Naples, je vous ai proposé la victoire sèche de Naples. Donc là c'est un pari gagnant, ils ont gagné 2-0. Je vous ai proposé West Ham-Leicester où je voyais le match nul. Et je voyais en fait les deux équipes marquent. Bon là le match nul n'est pas tenu. West Ham a fait vraiment un très gros match. Il mérite largement cette victoire. Bon, mais les deux équipes marquent, donc on est remboursé. Et puis Schalke-Augsbourg, donc je voyais un match très serré. Je voyais juste un avantage pour Augsbourg, donc une victoire d'Augsbourg. Malheureusement, ça a été dans l'autre sens. Effectivement, je voyais 1-0, mais dans l'autre sens. Bon, c'est Schalke qui, en tout début de match, hein, d'ailleurs, a marqué, mais après, il n'y a rien eu de spécial sur ce match. Donc le pari est perdant, par contre le under est gagnant. Donc voilà, bon bah sur cette semaine c'est quand même vraiment pas mal, d'autant plus que là si je regarde bien et que je compte rapidement, il y a quand même 12 paris gagnants pour 4 perdus, donc on gagne 3 fois plus qu'on perd, donc c'est génial. Donc je vais changer parce que là je suis sur une configuration un peu particulière, je vais changer la mise où je repasse à ma mise de 30 €. Puisque vraisemblablement je suis en train de repartir vers le haut. J'espère qu'en faisant ce petit coup d'accélérateur de basculement de mise, je pense que ça va accélérer vers le haut et remonter vers le haut, en espérant que je continue comme ça. Donc voilà pour ce qui est dit, je vais faire quelques petites digressions parce que il y a des choses qui se sont passées ce week-end là qui me plaisent pas trop. Donc les résultats on l'a vu, aucun résultat en attente. Donc pour ce qui est des mails, c'est pas la peine de m'envoyer un bonjour ou salut par mail, identique pour les réseaux sociaux. Allez à l'essentiel, que vous me disiez bonjour et salut, ok, c'est la moindre des politesses. Que vous posez une question, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour bombarder des saluts, bonjour, le mail gagnerfuté.com@gmail.com est réservé aux clients. J'ai des soucis et actuellement, ne m'écrivez pas sur ce mail-là. Je ne peux pas vous répondre, ça passe en spam direct. Même ça ne part pas de mon webmail depuis l'incendie. C'est toujours pas revenu. Il y a des petites déclarations à faire. Les gens du serveur sont en train de regarder ça. Il y a quelque chose qui se passe mal pour mes mails. Donc ça me gêne beaucoup puisque je ne vais pas pouvoir faire une campagne de mail pour le kit du parieur pour l'euro que je suis en train de finaliser. Donc pareil pour les réseaux sociaux, c'est pas la peine de m'envoyer des saluts, des bonjours. Voilà, posez votre question et voilà, si je peux répondre, je suis toujours là, je suis jamais avare de réponses ni de conseils, mais voilà, limité, mais ma priorité va quand même au client, et là, je vais faire un gros finish sur le kit du parieur, sur le logiciel, et puis sur la plateforme qui arrive, donc attention, hein, je ne vais pas rigoler, moi je coupe, là j'ai dû balancer en spam et bloquer certains profils, je suis désolé, moi je perds pas mon temps, hein, je reçois les alertes, beaucoup sont surpris que je réponde assez rapidement.
Alors j'ai fait des tests en même temps ce week-end pour faire des pronos chauds. On va essayer de faire quelques lives et puis de préparer tout ça un petit peu pour l'Euro. Peut-être je vais voir. Donc c'est pas formidable et bon, je me suis formé, mais c'est comme tout, hein. On doit se former d'une et de deux, il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, on perd très très vite. Alors deux, trois petites choses quand même, je pense que vous l'avez vu, mais j'insiste parce que ça va être important pour nos matchs de Ligue des Champions, Ligue Europa. Vous voyez bien, mais on va le retrouver dans le face-à-face, hein. Le Bayern vient de se faire accrocher quand même. Liverpool, c'est en toute fin de match qu'ils ont réussi à emporter le match, sinon c'était match nul. Donc vous voyez, c'est pas extraordinaire côté Liverpool. Chelsea a bien enclenché. Le Real de Madrid, hein, en patron, ils sont allés gagner. Ils ont fait leur deuxième match de Ligue des Champions, hein. Là, ils vont attaquer leur troisième match de Ligue des Champions, hein. Franchement, le Real, j'espère les voir en finale. J'espère même par rapport à Paris. Je pense que c'est les deux qui ont été le mieux actuellement au niveau de la Ligue des Champions. Ils mériteraient tous les deux d'aller en finale. Pour ce qui est du PSG, c'est pareil, ils ont confirmé. Et puis City qui se fait accrocher, vous voyez, ça commence à trembler du pied. Bon, Leeds, c'est un peu foufou, je vous propose rarement et j'ai toujours du mal avec cette équipe. C'est vraiment difficile à pronostiquer. Mais voilà, il tombe de travers. Voilà. Hein. Bon, on va utiliser tout ça dans les face-à-face et je vais vous en dire plus en détail. Allez, on commence tout de suite la Ligue des Champions. Donc le premier match Paris Saint-Germain Bayern, je vous ai fait quand même le face-à-face parce que c'est important. Je vous rappelle, hein, c'est uniquement les résultats en club, hein, donc dans leur championnat respectif. Donc effectivement, le Bayern s'est fait accrocher. Bon, ça a quand même tendance à alterner un petit peu. Bon, il faut savoir aussi que Paris est quand même meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Vous voyez, il y a déjà trois défaites à domicile. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc Paris gagne à 65%, match nul à 9%, ils perdent à 25%, ils font des over plus 2,5 buts à 59% et d'under à 40%. Et en même temps, ça me permet de vous montrer que voilà, si vous aviez joué la même pièce, hein, je vous parle de rendement. On peut faire des rendements parce que j'ai eu des questions aussi. On peut faire des rendements sur jouer la même équipe toujours à domicile, à l'extérieur ou sur l'ensemble des matchs. Là, c'est sur l'ensemble des matchs. Il y a un rendement négatif de moins 10%. Donc tous les pronostiqueurs qui vous disent jouer Paris Saint-Germain, Bayern, Barça, Juventus et vous allez être gagnant, c'est faux. C'est faux, regardez. Moins 10%. Okay. On peut faire aussi sur les over, les under, les matchs nuls. Hein. Si vous voyez qu'une équipe fait beaucoup de matchs nuls, vous jouez toujours la même place sur le match nul. C'est une autre façon de parier. Hein. Donc je vous rappelle, le logiciel est encore disponible. Je pense que le dernier carat, pour ceux qui veulent mettre de l'argent de côté, je vais essayer de vous faire gagner un petit peu d'argent si vous voulez acheter le logiciel. Ça sera vraiment le 31 mai, dernier carat. Après, ça bascule en abonnement. Les abonnements sont déjà actifs, mais de par voilà, vous avez encore une progression par rapport à le fait de me connaître. Vous bénéficiez encore jusqu'au 31 mai. Vous pouvez l'acheter à ce prix. Après, ça bascule définitivement. Je n'ai jamais fait de prix. Le premier prix de promotion qui a été fait, c'était à 99 ou 97 euros. Les premiers l'année dernière l'ont acheté, mais ça ne reviendra jamais plus à ce prix. Hein. Pour ce qui est du Bayern, donc ils gagnent à 71%, match nul à 17%, ils perdent à 10%, ils font des over plus 2,5 buts à 78%, des under à 21% et un rendement négatif aussi de moins 2,57%. Donc vous voyez, c'est comme ça. Hein, alors on va voir le diagramme de Kvyat. Donc le diagramme de Kvyat, donc on voit quand même le Bayern quand même légèrement au-dessus à domicile et à l'extérieur. Au niveau défensif, bah, ça me semble maintenant kiff-kiff, hein, équivalent. Au niveau offensif, beaucoup plus d'activité de côté du Bayern. Mais par contre, si on résume tout ça, sur les 6 derniers matchs, le Paris Saint-Germain est quand même meilleur. Donc certainement peut-être le plus équilibré. Tout est beaucoup basé plus sur l'offensive côté Bayern, mais ça ne suffit pas. Et vous allez voir, les nouvelles sont pas bonnes et je ne comprends pas les cotes. Donc côté du Paris Saint-Germain, donc là absolument, je pense que les cotes vont être maintenues quand même assez élevées. Ce qu'il faudrait quand même certainement sérieusement avoir la feuille de match parce qu'il y a beaucoup
d'ordre et de contre-ordre au niveau des journalistes. Vous savez, il n'y a aucune investigation. Ils prennent les dépêches AFP et il y a un journaliste qui écrit un article et bien souvent c'est repris. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs journaux et plusieurs sites. C'est exactement à la virgule près le même article qui est écrit bien souvent. Donc il y a beaucoup de joueurs incertains, d'autant plus que là, attention, Navas qui nous a fait un très très gros match est incertain. Il est sorti contre Strasbourg, je crois, à la mi-temps. Donc attention, hein. Après, il y a toujours, alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer les tests du Corona Circus là, mais Florenzi et Verratti seraient toujours incertains par rapport à ce test. Et puis à côté de ça, vous avez quand même un attaquant et un défenseur, Kurzawa et Icardi, en attaque, qui sont incertains. Ce qui est certain et ce qui n'est pas bon pour le Paris Saint-Germain, mais ça reste somme toute un joueur. On ne peut pas tout résumer à ce joueur-là. Marquinhos sera absent. Et Bernat aussi en défense. Donc voilà, bon, moi je trouve que quand même l'équipe de Paris ressemble quand même à quelque chose, hein. Voilà, je ne comprends absolument pas les journalistes ni les cotes. Moi je trouve vraiment là, ils ne peuvent pas faire pire que ce qu'ils ont fait, hein. Et là je trouve qu'ils sont en meilleure position, déjà avec le match aller, d'une, et de deux, c'est un petit peu moins grave. Il y a quand même encore beaucoup d'absents et d'incertains. Mais c'est beaucoup moins grave que le Bayern, hein. Donc un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc vous comprendrez un petit peu le sens de mon prono, hein, avec tout ce que je vous dis. Là, voilà, le Bayern, c'est quoi? Bah, c'est 10 absents, 10 joueurs absents, dont 3 incertains et pas des moindres. Il y a quand même Gnabry et Coman qui sont. Gnabry, ça va être un test PCC. Il y a quand même aussi une doublure en défense. Voilà, déjà 3 joueurs incertains qui sont quand même plus ou moins intéressant. Et sur les 10 absents, il y a 5 joueurs clés. Donc pour moi, c'est contre-performance, hein. Donc les Lewandowski vont certainement pas prendre de risque. Il est là, il n'est pas là, on verra la feuille de match. Moi, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, et un tel joueur, ce ne serait que pour les. Je ne vais pas débattre, mais au niveau assurance et tout ça, il faut faire attention. Ils ne vont pas prendre le risque non plus que un joueur se blesse d'autant plus et que ça s'aggrave et voilà, que ça dure des semaines et ainsi de suite, hein. C'est sûr, l'échéance est importante, mais voilà, c'est la faute à pas de chance. Le dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc je pense qu'on va avoir une équipe quand même beaucoup amoindrie, hein. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc le Paris Saint-Germain n'a subi aucune défaite dans ses 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Il y a eu 9 affrontements consécutifs en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, dans lesquels ils ont réussi à marquer au moins un but. Alors en moyenne, le Paris Saint-Germain a marqué 2 buts dans leur match à domicile de Ligue des Champions. Pour ce qui est du Bayern, le Bayern est invaincu dans ses 11 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Le Bayern n'a pas perdu dans 19 des 20 derniers matchs de Ligue des Champions. Le Bayern a réussi aussi à marquer un but et plus lors des 20 derniers affrontements en Ligue des Champions. Il y a 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions où le Bayern a marqué au moins 2 buts. Donc ça risque de claquer effectivement. Le BTS et deux équipes marquent. Alors là, ils nous ont massacré la cote. 58% de oui, mais là à 1,33, donc la cote n'est pas value. Identique pour le over. Le over à 60%, mais là à 1,33, la cote n'est pas value. Les probabilités 1-2, c'est là où il y a un gros décalage. C'est que les probabilités voient Paris à 38%, le match nul à 35%, Bayern à 27%, le résultat 1, le score probable demain, et eh ben je suis tout à fait d'accord avec ce score. Je trouve que le Bayern est encore plus touché que le match aller. Donc je ne vois pas Paris faire pire, malgré que en plus ça va un petit peu mieux. Je pense que des joueurs comme Verratti pourraient être là. Il faudra la feuille de match. Je ne comprends absolument pas les cotes, en sachant que Paris quand même a fait un gros match et a gagné. Ça devrait être plus serré. Là, c'est irrespectueux et vraiment, moi, je ne suis pas du tout ça. Peut-être effectivement 2-1, peut-être 2-2, puisqu'on a vu que ça allait marquer certainement, probablement. Mais moi, je ne vois pas, je résume tout ça, je ne vois pas Paris perdre. Et ils ont eu, moi j'y crois pas à la remontada, ils ont l'expérience maintenant, ils se sont fait avoir par le passé, c'est terminé. Moi je vous dis, c'est terminé. Et de ce que j'ai vu en fait depuis le début, moi franchement j'attends, moi je vous parle pas en tant que supporter, là je vous parle en tant que parieur.
Et en amoureux du football, j'aimerais bien voir Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. C'est les deux équipes les plus attractives et je pense qu'on aurait un très beau spectacle. Donc voilà, le résumé de tout ça, c'est que je vous propose quand même la victoire de Paris. Et oui, rembourser 6 matchs nuls. Donc ça nous ferait une cote équivalente à 2,24. Voilà, ceux qui veulent faire le double chance, moi je vois pas Paris perdre. Donc jouer le 1-2. Alors attention, je vous ai mis les cotes, les bookmakers, les petits malins. Hein, j'ai fait des vidéos qui ont été strikées sur ce fait-là. Le double chance des bookmakers sera autour de 1,64. Mais si vous le faites vous-même, voyez avec la calculatrice, hein, faites linka.us/calcul et vous aurez accès aux calculatrices, ils sont fonctionnels. Hein, et faites le double chance si vous voulez. Si vous faites le 1N, voilà, vous avez une cote équivalente de 1,71 qui est quand même beaucoup mieux que ce qu'on vous propose à 1,64. Imaginez sur toute l'année ce que ça peut faire comme différentiel. Mais il faut faire deux paris simples et répartir judicieusement votre mise. Donc là, c'est pour un exemple de 10 euros. Donc voilà. Le match suivant est Chelsea-Porto. Ah oui, j'avais oublié de vous dire quand même, le match aller, Chelsea l'a emporté 2-0. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir, Paris l'a emporté 3-2 hein, contre le Bayern. Ok, voyons voir le face-à-face. Donc un bon match ce week-end pour Chelsea et puis ben en championnat il n'y a aucun souci pour Porto, ils continuent quand même leur lancée, leur régularité. Sauf que là, bon, je pense qu'il y a quand même un cran au-dessus. Et bon, on va voir ce que ça peut donner, mais je n'y crois plus trop au niveau des chances de Porto. Donc Chelsea gagne à 48%, ils font match nul à 29%, ils perdent à 22%. Ils font des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 54%. Un rendement négatif de moins 19% sur cette équipe. Il y a un peu trop de matchs nuls et de défaites. Pour ce qui est de Porto, donc vous voyez, il y a très belle régularité, sauf que les cotes sont massacrées par les books. Et je vous dis aussi, vous voyez, moins 3% pourtant de rentabilité. Bah oui, parce qu'il y a quelques matchs nuls et ça casse tout. Porto gagne à 69%, match nul à 23%, ils perdent à 7%. Ils font des over plus 2,5 buts à 57% et des under à 42%. Voyons voir le diag. Donc très clairement, hein, Chelsea, bon, sur les 5 aspects. Domicile extérieur, ils semblent supérieurs à Porto au niveau défensif, ils sont supérieurs au niveau offensif, ils sont supérieurs sur les 6 derniers matchs, ils sont supérieurs. Ça va être très très difficile pour Porto, voyons voir au niveau effectif. D'autant plus que Chelsea, vraisemblablement, il y a un joueur incertain, Christensen, mais le groupe serait au complet. Bon, il y a toujours, alors je n'ai pas suivi hein, le feuilleton, je suis pas trop people, ni je suis pas trop. Je ne sais pas s'ils seront toujours écartés du groupe. Somme toute, un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Pour ce qui est de Porto, le gardien remplaçant qui est absent, un attaquant aussi, mais ce sont des doublures, et un dispositif probable tactique en 4-4-2. Donc ça reste une équipe conforme hein, de Porto hein, tout de même. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, Chelsea n'a subi aucune défaite lors des 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 7 derniers matchs en Ligue des Champions à domicile, Chelsea est invaincu à 6 reprises. L'équipe de Chelsea a remporté 3 victoires consécutive en Ligue des Champions. Chelsea a gardé sa cage inviolée dans les 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions, il y a eu moins 2,5 buts. Et Chelsea a concédé une moyenne de 0,22 buts en Ligue des Champions. Ça va être dur pour Porto. Et bien Porto alterne, donc il n'y a pas de résultat. Ils alternent un petit peu les victoires, les défaites et les matchs nuls. On ne peut pas avoir de longues séries de statistiques. Les probabilités nous donnent les deux équipes marquent non à 54%. Et là, c'est une petite divergence avec les cotes, mais la cote n'est pas value parce qu'il nous faudrait une cote de 1,85. Pour ce qui est des probabilités over-under, le under à 58% qui est limite parce que ça correspond à une cote de 1,72 et là on nous propose 1,74. Donc ça serait quand même bon à prendre. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 57% pour la victoire de Chelsea, 33% pour le match nul, 10% pour Porto, le 1, score probable de 0. Effectivement, bon, la cote est limite aussi, mais elle est value. Ce que je vous propose tout simplement, c'est la victoire de Chelsea à une cote de 1,80 et de prendre le under moins 2,5 à une cote de 1,74. Donc voilà pour ce match. Si vous avez apprécié votre petit like, je réponds à vos questions en commentaire. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.